On a trouvé une fin à l'espace. Vous êtes peut-être surpris ou bien choqué de cette nouvelle, mais c'est bien réel. En effet, nous avons trouvé une fin à ce qui semble à première vue infini, l'espace. Le grand professeur Martin Lacasse, expert en astronomie, a fait une découverte qui a retourné la façon de penser de tous les scientifiques, de Galilée à Albert Einstein. La sonde Voyager 1 a envoyé un signal à la NASA. Ce fameux signal dit qu'elle s'était arrêtée à cause d'une force mystérieuse. Martin Lacasse, lui, est persuadé que la photo que nous a envoyée la sonde est une photo du mur de l'univers. Il a même réussi à convaincre les scientifiques de la NASA et de SpaceX à se demander si ce mythe ne serait pas réel. Tout le monde commence à y croire et des explications scientifiques peuvent prouver l'existence de ce fameux mur si mystérieux. Mais ne rêvons pas trop, car il se situe à 13,8 milliards d'années-lumière. Ce mur s'est formé très récemment et nous ne savons toujours pas pourquoi. Voyager 1 est actuellement en route après avoir prélevé un échantillon de ce mur si étrange. Tout le monde ne parle plus que de ça dans les entreprises spatiales. Cela remet en cause toute la pensée et la vision que l'on a de l'espace aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont inondés de cette information. L'espace n'émerveille plus autant qu'avant, car l'idée d'un espace infini est maintenant révolue. Et puis, il y a une autre information encore plus bouleversante que celle-ci, c'est que vous avez cru à ce mensonge. Les fake news sont dangereuses, et si vous avez cru à cette absurdité, il faut vraiment que vous vérifiez vos informations après avoir lu un article ou après avoir vu une vidéo donnant une information.